Après leur mariage en grande pompe à la chapelle Saint-Georges, le 19 mai prochain, Meghan Markle et le prince Harry se dirigeront vers le château de Windsor pour une réception. Un moment un peu plus intime où seuls 200 invités ont été conviés. Pour ouvrir cette soirée riche en émotions, les jeunes mariés ouvriront le bal comme le veut la tradition. La chanson qu'ils ont choisie pour cette première danse est loin d'être un slow. Pas de chanson sirupeuse, douce et romantique pour leur premier pas sur la piste en tant qu'époux. Le couple a choisi I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, selon les informations du Sun. Ce classique de la pop des années 80 est aussi surprenant que rafraîchissant dans cet univers fait de bienséance et de règles protocolaires. Un peu plus tôt dans la journée, Meghan Markle et le prince Harry se diront oui à la chapelle Saint-Georges. Lors de cette cérémonie hautement observée, la musique sera placée sous la direction de James Vivian, directeur de la musique qui inclura la chorale de la chapelle Saint-Georges et une sélection de chorales, de solistes et de musiciens, a annoncé Kensington Palace sur Twitter, le 24 avril. L'autre info, la chorale de la chapelle Saint-Georges sera composée de 23 choristes hommes et de 12 chanteurs de Les Clercs. Karen Gibson et sa chorale The Kingdom Choir chanteront aussi dans un style gospel plus proche des origines américaines de Meghan Markle. But there's all times through the rough times I